Bonsoir, on se retrouve sur Metal Hellsinger, donc la suite du premier épisode, où non, on avait fait à peu près la moitié du jeu. Et donc on va attaquer la deuxième moitié et certainement la fin pour ce soir. Attention les oreilles, normalement ça va. Ah, il n'y a pas le son pour le coup. Là maintenant il y a le son. Parfait. On se lance. Alors. On m'a plusieurs fois proposé sur YouTube d'écouter la chanson de Serge. Je me suis forcé à ne pas l'écouter, donc j'espère qu'on va l'entendre rapidement dans l'épisode. On a quoi? Alors on a les défis en fait qu'il propose. Mais bon, on va pas faire un défi. On va partir directement sur la suite. Et je pense pas que ce soit Serge. Géna, ici les pêcheurs sont enfermés pour l'éternité, sous bonne garde. On dit que cet enfer est voué à ceux qui appliquent des lois injustes, ou qui appliquent injustement la loi. En tout cas, ça reste un enfer pour les claustrophobes. On va voir ça tout de suite. On a débloqué toutes les armes, ça y est. On va rester sur les pistolets, parce que je les avais bien aimés. Il va forcément me falloir un peu de temps pour me remettre dans le jeu. Pour récupérer... le temps, le rythme. J'espère que ça va aller. Ça c'est bon. Ah, je peux choisir une deuxième arme, d'accord. Ah bah oui, parce que justement, vu que je n'en débloque pas une en plus dans ce niveau, vu que j'ai déjà toutes débloquées, je peux en choisir deux. On va pour le fusil à pompe. Que je préfère largement à l'arc et au faux. Et on est go. Je sais à quoi tu penses, même l'enfer y pensait. On peut pas se faire rétamer comme ça, quatre fois d'affilée et croire encore à sa victoire. Tout le monde y pensait. L'inconnu est la chanteuse de l'enfer. Mais qu'allait-il se passer? Est-ce que l'inconnu allait s'asseoir sur le trône? Ou pire encore? On n'en savait rien. Mais grâce à ce flashback que j'ai pas eu le temps de lire, j'étais sûr d'une chose. Le tout ne nous ignorait pas. On était allé trop loin. Et quand on va trop loin en enfer, en général, ça se complique. Je savais la fin proche. Mon devoir est de protéger ces enfers. Je dois donc commettre l'impensable. C'est quoi l'impensable pour elle? Vous savez quoi? Celui qui a dit que l'enfer, c'est les autres. Il n'a probablement jamais rencontré un ange. J'avais fait une blague sur le fait que l'impensable pour elle, c'était justement d'en appeler à Dieu, mais on n'était pas loin. Hein. Excusez-moi, il faut juste que je me mouche. Parce que j'ai osé me déplacer dans mon appartement. Donc ça m'a donné froid, il a fallu que je mette une petite laine. Je n'ai aucune envie de rencontrer des représentants du paradis. L'inconnu n'avait pas l'air de s'inquiéter. Mais moi, oui. Oula. Ah désolé, là je ne lis pas pendant le jeu. Hein. Je suis déjà emporté par la musique, c'est bon.
là, c'est déjà difficile. Hein. Oula, le behemoth qui est vraiment violent. Un peu violent celui-là. Le E, j'ai du mal à le caler en rythme. Sanctimonious heavenly avenger. Oula. Demons and angels on the same side. It was awkward. Ouais, pas de secret. Mauvais rechargement, très mauvais rechargement. Mon double. C'est bon, on a récupéré la vie. Il y a un bémote, il y a un bémote, il y a un bémote. Ultra violent.
Faut que je pense au cristaux vert quand je me casse dans une salle. Désolé pour l'anti-rime, j'ai voulu tester un truc. Non, pas eux. Ah, c'est trop horrible ça. Allez, meurs. Vachement bien de voir quelqu'un faire vraiment faire un perfect en fait. Dangereux ce que je fais. Ben ça a faim, mince. No love lost between the angels and us, no sir. I did get the sense they were even more depressed being here than us. Récupérer de la vie, c'est le truc central. C'est bon. Voilà. Et le problème du Séraphin, c'est que je l'ai buté trop vite. J'aurais bien voulu faire le E pour pouvoir le récupérer de la vie. Ah, ça se fait quand même. Thank you.
Non. Pas toi. Yes. Oula. Pas encore. Pour en rentrer en fait l'exécution dans le rythme. Ils me font vraiment flipper. Et il y a le multiplicateur. Ah, si ça baisse pas, ça veut dire qu'on arrive au boss. On se prépare. Let's go. C'est très joli en tout cas. Donnez le nom de l'architecte. Oula. La rime qui va s'écrouler au fur et à mesure. Voilà. Oula. J'avais pas prévu ça. Non. La panique. Panique, le fait de m'attirer comme ça. Ah, il faut carrément un behemoth. Hein. Yeah.
Il reste un ennemi. Il est où? Les mobs. Ça devient vraiment compliqué là. Ressusciter bien sûr. Du mal avec le... vraiment beaucoup de mal. C'est pas gentil ça. Ah bah c'est bon, j'ai vaincu. Ah, alléluia. J'y croyais plus, j'étais tellement concentré en fait sur les tuiles en dessous qui tombaient que voilà. Nihil, dans un bout d'incarnation, vous avez accès à un nouvel enfer. Le temps passe en furie, de plus en plus bas. Par contre, le rythme, ça passe. On va dire qu'il y a une fois sur 15, en gros, que je suis... une fois sur 10, une fois sur 9. Ouais, une fois sur 10, une fois sur 9, je suis pas en rythme. Ça passe. Par contre, je n'ai pas débloqué les défis. Je n'ai pas débloqué les supplices, simplement parce que je suis mort, je pense. Allez, on se prépare. Ils vont vraiment nous mettre à la fin. Nihil, un enfer qui n'a pas lieu d'être, plutôt spacieux et froid par rapport à la moyenne. On raconte que c'est un proto-enfer, un reliquat d'une ancienne religion du paradis. Mais les démons savent mentir, et c'est la vérité qui est la première victime. Au niveau de l'équipement, on n'est pas trop mal, je pense. Voilà où on en était. Avec l'arrivée des anges, quelque chose s'était débloqué en moi. Au lieu d'un simple flashback, j'ai retrouvé la mémoire. Elle se rua en moi avec la clarté du feu. Bien sûr que tu es un ange. Bien sûr. Je te condamne au silence, âme égarée. Ta musique est à moi seul. Tant que je serai reine, jamais tu ne chanteras pour l'enfer.
En vérité, quelque chose n'allait pas. La juge avait tout dit, mais c'était étrange. Je ne crains pas la prophétie, mais le paradis, oui. Tu mens. Mais pour le bien des enfers, j'accepte de te croire. Raison, aidez-moi tous à remettre cette nouvelle vue à sa place. Au nom des enfers, je me soumets à la dissolution. Bien compris. À l'époque, j'étais encore trop brumeux pour comprendre ce qui se tramait entre le paradis et la juge. Mais avec l'arrivée des anges, cette histoire de chanteuse de l'enfer qui viendrait à bout d'un archange commençait à prendre du sens. Ah bon ? Ça prend du sens ? Vas-y, nous en dira plus. La prochaine cinématique. Allez en enfer. Beyond Speed Street Soilwork. Ayez pitié de nous, on était en plein dedans. Reconnaître un peu la voix de celui-ci parce que j'ai jamais écouté Soilwork comme groupe, mais il y a le groupe Acheron qui a fait tout un concert en fait avec plein de guests de groupes de métal, et j'ai l'impression que celui-ci était dedans dans la chanson Everybody Die.
Ils commencent à être nombreux, hein. Quoi ce truc over bourrin? Comme les trucs verts là, mais en bleu. J'ai pas de meilleure explication. Voilà, comme cela là, mais en bleu. Tir à blanc. C'était rapide celui-là. Ouf. Seulement le soin, j'en ai pas besoin. Mais bon. Bonus. Je pensais que c'était un univers. Non, c'était juste de la vie.
Oula, j'ai pas vu lui. Laws of hell. Whatever the judge had done, they were getting twisted. Split. La chanteuse de l'enfer, le sacrifice de Nihil était donc vain. Non, pas si je t'affronte. Toutes deux, nous disparaîtrons dans l'espace-temps. Bah, pareil que j'ai pas utilisé mon spécial pour rien. Pas spécialement comment il faut la battre. D'accord, en fait c'est soit l'une soit l'autre. Si c'est juste ça, ça va. La faire propre des monstres, pas encore. Puis c'est. Oh là. Le monstre en popé. Allez. Oula.
Allez, meurs. C'est bon. Incarnation vaincue. Ça apparaît comme dans les Dark Souls. Incarnation vaincue. Nous allons faire Acheron. Bonus de série rythmique. Avec le bonus achèvement explosif, les ennemis achevés explosent en affectant les alentours. Le bonus s'active quand vous effectuez une série rythmique de 30. 86% en rythme. Je baisse. Eh, 12 000, hein. Combien de temps de live? 43 minutes. Oui. Par contre, ouais, je n'ai plus les défis. Ah, parce que j'ai pas fait ceux d'avant. C'est tout simplement ça, en fait. Le problème, c'est que les défis sont un peu trop durs pour moi. J'avoue, j'ai un peu la flemme. Au pire, ça fera une VOD plus courte. Au cas où vous l'ignoriez, Acheron se dit Acheron. Oui, je sais, on en apprend tous les jours. Je me trompe peut-être, mais si on avait mieux géré ces rouages de l'enfer, alors le reste du voyage aurait peut-être été un peu plus tranquille. Là-dessus, on est bon. On va en enfer. La dissolution a également été un échec. Moi et l'inconnu, on était au top. Et rien n'aurait pu nous arrêter. Mais elle avait encore un tour dans son sac. Oui, je l'ai envisagé, mais leur lien est trop fort, et ça m'affaiblirait grandement. J'imagine que je n'ai plus le choix. Au nom du tout, j'invoque le sort de dépossession. C'est alors que la juge m'a emporté. Ça devait finir par arriver. Je suis même étonné que ça lui ait pris aussi longtemps. Vous vous rappelez qu'en détruisant les incarnations de la juge, je retrouvais la mémoire? Bon, j'étais quelqu'un d'autre. Vous avez deviné? Ah non, j'étais un ange. Ah si. Et j'étais pas un employé subalterne sans perspective. Loin de là. J'étais le bras droit du tout. Je chantais Alléluia depuis toujours, tous les jours. Mon job, c'était d'être l'instrument du tout. Je ne jugeais pas, mais je voyais, j'écoutais et je louais par ma voix. Plutôt chiant, hein? Je haïssais tous les chants du paradis. Tous, sauf un. Le sien. Elle avait le pouvoir de tout changer. Alors je me suis dévoué pour l'inconnu. Ça n'a pas été simple, je vous le dis, mais c'est une autre histoire. Je l'ai attendu pendant une éternité. J'ai pas ouvert la bouche et je suis devenu ça. Si mon destin était d'être un instrument, alors je voulais jouer uniquement ce que j'aimais. Tout allait bien, à un détail près. Oui, ce sort. La juge me tenait. Elle allait apprendre tout ce que je savais. Et aussi tout ce que j'avais oublié. Comment on va faire pour se battre sans Paz? Acheron, siège des rouages alimentant les machines de la damnation. Elle était à un bon endroit, mais sans moi. Effectivement, j'ai pas grand. Oui, l'inconnu se jouait en solitaire, mais le lien qui nous unissait était tellement suspendu. Simplement suspendu. Ça commence bien le niveau, je le trouve très classe. Je
vois quelque chose là. Non, pas eux. Oh là, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il fallait absolument l'exécuter. C'est vrai, j'ai plus le crâne pour ouvrir. Métro désaffecté, là c'est cool. Tunnel so dark and deep, ain't no one ever come back. C'est bon. Il a tout changé, je pense. Pas le dernier, c'est l'un des derniers. Oh, ça pop encore bien en fait, hein. Oh là, ils m'ont mis deux gros. De la vie, récupère de la vie. On est bon, on avance. Belle, très très belle zone.
Let's go. Je peux pas aller par là, ok. Yes. J'étais obligé d'utiliser mon ulti par contre parce que... Allez. J'arrive plus à cligner des yeux. Tellement agréable quand la quand les kills tombent sur des bonnes riffs de musique là. Je voulais rien dire ce que je viens de dire mais vous avez compris. Voilà. Aspect waited ahead. After that, you judge yourself. Y'a pas les dernières incarnations là? Est-ce que si, quand le. Ça va être la dernière incarnation pour la battre elle et le dernier serait pas. Le tout de la musique, le tout de Dieu, de la musique de Serge.
J'ai perdu le rythme d'un coup. Dès que j'ai commencé à essayer de parler, en fait. Récupère un peu de combo avec. Voilà. Je préfère avoir essayer d'avoir mes super pour chaque arme. Histoire de. Oula non, elle par contre je pourrais pas. Mais mon rythme. Compliqué. Et là, on n'a pas de. On va se battre contre ça. La guerre des mondes. Et bah, let's go. Viens donc, l'inconnu. Essaye de récupérer ton crâne et de terminer ton chant, car je suis prête. Viens. Non, j'ai déjà lu. Non. Pourquoi elle disparaît déjà? Je viens d'invoquer mon truc. Quoi ça? Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas compris.
Au, j'ai mal. D'accord, c'est ça qu'elle a balancé. Non, mais pas rester là. Ephraim, t'es pas trop con non plus. Ah, mon dos. Oh, mon dos. Je me fais vieux. Alors. Pourquoi j'avais le rythme du fusil à pompe ? Mince. J'aurais dû utiliser son exécution pour reprendre de la vie. Non, j'étais contre l'engrenage. Idiot. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre à ça. Sans, je vais bientôt mourir. Je l'ai eu avant. Oh. C'était compliqué. Oh, c'était très très compliqué. Éole. Ou Shaul. Le rythme est toujours à peu près bon. Le temps en furie est absolument dégueulasse. Là, Serge. Sheol, c'est un enfer unique en son genre. Les autres enfers vibrent au rythme de la souffrance, mais Sheol, c'en est un peu l'épicentre. La juge rouge surveille l'endroit depuis son trône, en attendant l'inconnu, et le paradis l'observe à son tour, car en raison de sa curieuse conception, Sheol est le dernier rempart qui sépare l'enfer du paradis.
On va rester comme ça. Et je sens que les défis, il aurait fallu les faire. Malgré son pouvoir, la juge n'a pas pu briser ce qui se me liait à l'inconnu. Mais la juge avait raison. Je leur avais tout dit. Bref, les anges sont venus pour abattre la juge comme un vieux chien. Pour la punir pour son échec. Mais ça restait le domaine de la juge. Je me souviens. Jadis, j'étais un archange. C'est pour cela que le paradis est intervenu. Par peur. Et non pas pour m'aider. Le paradis pense que je vais échouer. Que la prophétie va se vérifier. Que l'inconnu va ensuite s'attaquer au paradis. Ange de peu de foi. Bien. Nous allons voir comment cela finit. J'invoque la mort. Bonsoir Vertigo, comment ça va? La juge avait appelé toutes les âmes de tous les enfers. Une dernière bataille qui nous entraînerait tous dans le néant. Elle n'abandonnerait pas facilement la partie. C'est bien Vertigo, t'arrives pile sur le dernier niveau avec Serge. Terminus, votre faux de guerre que l'on n'utilise pas ne vous lâchera jamais. Équipez là en appuyant sur E. Ah si, c'est une fausse, hein. Le siège de la loi, là où tout a commencé et tout a fini. C'est pas Serge là? C'est bizarre, je croyais que c'était Serge au niveau de la voix. Ok, pas de soucis. Je peux pas trop parler, moi, à cause du rythme. C'est pas Serge ça. Mais elle est où la chanson de Serge Duncan alors? Ils sont où les ennemis? Bémot là. Ah si, il participe sur cette chanson. On dirait vraiment. Bref, je vais arrêter. Yeah.
Je panique. La fatigue et la panique. C'est mieux. Didn't occur to me back then that maybe the judge was up to something. Since she got a memory back to me and all. You don't get to rule the hills by being a dummy. Pas des pots à casser pour prendre du ouais, si. Pas pu reprendre le multiplicateur. On veut entendre la chanson. Peut-être pas vraiment le dernier level, ouais, je pense. Peut-être que justement, on va aller au paradis après. Et si on va au paradis et qu'on doit combattre le tout, qui sera incarné par Serge, c'est juste nickel. Galère un peu à recharger en allant vers la droite. Vous essayerez en fait d'avoir la position ZQSD sur votre clavier et tentez d'appuyer donc sur la touche D tout en rechargeant à la touche R en rythme bien sûr sans vous arrêter de tourner. On se retrouve à appuyer sur la touche R avec le majeur. Et c'est pas naturel. Non, buggé. Je suis buggé dans une texture. Ah, je me suis buggé dehors de la map. Je suis tombé quoi. Bien fait sur ses ennemis quand même, c'est qu'ils arrivent à anticiper à peu près les mouvements.
le gros behemoth là-bas. J'aime pas ça. Donne-moi ta vie. Il n'y a pas des petits pots à casser là pour le combo? Si, c'est bon. Ça, on garde les voix. Allez, je pars en combo là avec vos bêtises. Même les points de vie, quand ça permet de reprendre le combo. La bonne grosse arène. Oh non, j'ai en vert. Non, je l'ai tué. C'est bon. She get rid of them. What were they afraid of? I'll tell you now, I should have thought about that one. Bon, j'ai pas le temps de suivre les dialogues pendant que je joue. Je connais pas toute l'histoire, vous en savez plus que moi.
Oh non, pas lui. Il a aussi à prendre sa vie. C'est le boss. Let's go boss. All I knew was we's about to find out the hard way. Oh, ah ouais. Oh, je vois une épée géante devant. On avait vu dans la cinématique qu'elle avait grossi. Enfin, qu'elle ait grandi. Allez, let's go. Ah bah voilà, musique du boss, Sergeant Tenkan, System of a Down. Musique du boss, enfin, planteuse de l'enfer, la mort va cueillir l'une d'entre nous. Ah, un peu grandi, ouais. Elle a mangé de la soupe. Ah ah ah. Oh putain. Ah, les frissons. Donc elle a son cœur. Elle a un truc sur l'épaule aussi. Des mobs. Oula non. Pas pop des mobs. Il a fallu que je cours, d'accord.
Oh, c'est infernal, là. Je vais mourir. C'est bon, j'ai la vie. Où est-ce que je dois tirer? Je ne peux plus tirer nulle part, si sur l'épée. Je dois redescendre. Je dois redescendre. Le cerveau, la tête va s'ouvrir. Allez. C'est n'importe quoi ce combat. Mais alors, j'aimerais voir un gameplay no damage. Que franchement là, et on voit cette dernière armée. Et ça, sa dernière armée. Ah oui, je me disais aussi, là va y avoir du gros. Il y a un bleu. Alors ce passage-là de la musique est vraiment très étrange. C'est bon, j'ai pu reprendre la vie. It cannot be. Voilà. Oui, madame. Ça y est. J'ai tué la mort. Littéralement. Fais-moi la maline. Chanteuse de l'enfer, tu es venu reprendre ta voix. Mais je n'en ai qu'un fragment. Le reste se trouve au paradis. Certains d'entre vous veulent anéantir le tout.
Il était totalement corrompu. Attends, s'il te plaît. Je vais te dire ce qui j'étais. Ta protectrice. Ah bon? Quand Pazelius t'a rencontré, on a tout fait pour te cacher ici. On savait que l'enfer nous ferait tout oublier. Que nos plans resteraient secrets, même pour nous. C'est quoi cet arc de rédemption là? Non, crève. Pazelius et moi avons combattu la lumière. On m'a déchu. Et on m'a nommé juge. Quand je t'ai pris ta voix, je savais qu'un jour, tu devrais m'affronter avant de conquérir le paradis. Avec le temps, nous avons tout oublié. En enfer, tu as perdu ton champ. J'ai perdu ma rébellion. Et Pazelius, c'est toi qui l'as perdu. Ton seul amour. Après s'être désavoué, on espérait qu'avec le temps, tu te retrouverais. Et à présent, tu es la chanteuse de l'enfer. Tu as retrouvé ta voix. Pas entièrement, mais assez pour briser la barrière qui sépare les royaumes. Une dernière chose. Quand tu seras au paradis, fais-leur vivre un enfer. Elle avait gagné. Mais il est risqué de provoquer le tout. Car quand il s'y met, tout devient étrange. Stairway to Heaven, là. Mais au fond, il n'y a pas de raison de m'inquiéter pour l'inconnu. Elle est plus forte que quiconque, et son chant n'est pas terminé. Alors, quand elle sera là-haut, et ça ne devrait pas être très long, disons qu'il ne vient qu'une prière, que le Seigneur vienne en aide au paradis. Et voilà, ça y est, on a fini Metal Hellsinger. Et c'était vraiment, vraiment bien. Alors j'aurais bien voulu avoir le combat contre le paradis. Mais bon, ça sera certainement soit un DLC, soit un 2. Ah, vite le 2, ouais, carrément. C'était vraiment excellent. Moi, je pense pas que je ferai des défis en plus parce que j'ai la flemme, clairement. Mais c'était vraiment, vraiment très, très bon à faire. Et crevant. C'est ultra crevant de réussir, enfin, d'essayer plutôt, de tirer en rythme avec la musique. Sachant qu'en plus, bah voilà, comme j'expliquais là. Le coup du rechargement, où en fait, pendant que tu es en train de faire du QSD, tu fais ton rechargement qui doit être en rythme, avec justement toujours avec la musique, etc. Et ça devient horrible au bout d'un moment, mais quand tu rentres dans le flow, c'est juste excellent. Il y a Troy Baker pour Paz, Vertigo. Je crois que tu disais justement qu'il te disait quelque chose la dernière fois. Franchement, c'était... Et maintenant, je peux enfin me mettre la musique, enfin, l'OST en fait, dans une playlist. Je voulais absolument pas me spoil la musique du jeu. Je connaissais un tout petit peu celle justement de Serge Tankian parce que c'était dans le trailer. Et puis ce combat final. Le combat final qui était pas si dur que ça, qui était surtout très 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 impressionnant. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Bah après, l'histoire elle-même... Voilà, c'est... C'est une histoire dans un fast FPS.
Mais sinon, ouais, non. Non, franchement, c'était vraiment cool. Celle de Doom est sous-côté, hein. Banger, Serge. Ah mais là, clairement, c'est... Il y a juste ouais, le passage un peu spé qu'il fait dans sa chanson. Je sais pas quoi en penser. C'est pas mauvais, mais je sais pas quoi en penser. Je vais même pas dire si c'est bien, si j'aime bien. Mais en fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est que ça te casse un truc et ça paraît très étrange. Ça fait prédicateur de l'enfer. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment quelque chose auquel tu t'attends pas. Un truc qu'il faut bien reconnaître aussi au jeu qui est vraiment très très bien, c'est que les chansons sont vraiment faites sous forme de boucles qui évoluent au fur et à mesure du niveau. Et ça se sent pas, en fait. La voix apparaît et disparaît de temps en temps selon la boucle et selon le combo auquel on est, au multiplicateur auquel on est. Et franchement, ça passe très bien et t'as vraiment envie de faire des combos pour pouvoir garder le vocal, en fait. Ben n'empêche, il y avait du monde sur ce jeu. Est-ce que c'est la fin des crédits? Normalement, avec le copyright comme ça devrait aller. Ça aurait de la fin. Oui. Attends une petite scène de fin spéciale. Ah, bien. Mon histoire arrive à l'instant présent. Oui, la nuit est tombée. Mais les étoiles brillent encore. Quand la juge est morte, ça a vraiment dérapé. Les royaumes se sont tout simplement désagrégés. Les démons se sont échappés des enfers pour occuper le premier monde, dans les endroits où ils n'avaient rien à faire, pour lesquels ils n'étaient pas faits. Disons que le tourisme en a pris un coup. Bref, moi et l'inconnu, on a été séparés. Je ne sais pas où elle est maintenant. Pas au paradis, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Je savais que ça pouvait arriver. J'ai déjà beaucoup attendu et dans les endroits bien pires. Après, ça fait une quête vraiment très divine comédie. Alors que mon existence s'écoule dans les égouts. Bon, je ne sais pas quand ou on se reverra. Peut-être jamais. Mais qui sait? Peut-être avant une éternité. Qui vivra verra. Prenez tous bien soin de vous. Je veux la suite. Je veux le 2. Donnez-le-moi maintenant, s'il vous plaît. Ah oh purée. Ce jeu était très 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 bon. Ah. Les scores. Nouveau score perso. Les scores total ou score pour cette track? On ne saura pas. Certainement le score pour cette track. Allez, que dit le codex, tiens? Le codex, ouais, c'est le tuto. On a le bestiaire. Elle est très classe la juge. Incarnation rouage. Incarnation des sosies. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vraiment regarder ces incarnations de près. Gêne. Incantus. Yelm. J'avoue que j'avais vraiment pas fait gaffe en fait qu'elle avait des incarnations différentes. C'est que à partir justement de Acheron, je m'en suis aperçu avec l'énorme rouage. Alors Stygia, bah voilà, il y avait quand même du béton et des barres en métal, donc j'aurais dû m'en apercevoir quand même. Mais non. Ah, le tourmenteur du néant, ça c'est une saloperie.
mode de siège, ouais, non. Et cambion endurci. Ah, il y en a des endurcis. Ah oui, non, ça, c'est juste qu'il a un bouclier. Mais ceux-là, ils sont horribles. Et Séraphin mineur. Hiérophante. Ah oui, c'est eux qui invoquaient justement des petits hiérophantes qui faisaient. Qui couraient vers moi pour exploser. Les aveugles, là, les mouches. Un tourmenteur, oui, c'est aussi une saloperie. Hein. Et le B-mode. Bon, bien sûr, après, voilà, y a le cambion qu'on a vu juste avant. Et la marionnette. Allez, les bonus. Oh. Ah. Je pense. Cette voix. Juste, j'ai trouvé le passage vraiment très chelou. Ah, c'est bizarre. C'est pas ce moment-là que je pensais. Ah, t'as le rythme, hein, Vertigo. Ça se voit à l'écrit. Ça. Ça fait très étrange. Ça, c'est. Sa musique est géniale. Sa chanson est vraiment géniale. Puis de toute façon, cette voix. La voix de Serge Tankian, mais juste magnifique. Allez, on va pas rester là à encore plus. Oh, morceau d'histoire. Intro des supplices. Ah d'accord, ok, c'est les différents supplices justement qu'on a pu voir. Encore un peu plus d'histoire. Allez, on va s'arrêter là. Parce que sinon, je vais bugger et je vais rester 3 heures à juste écouter les musiques et à vous dire que le jeu, il est trop bien. Donc vaut mieux s'arrêter là, je pense. Donc merci aux personnes qui sont venues sur le live, merci à Vertigo, même en taffant, qui est venu discuter sur le chat, merci aux personnes qui ont regardé la VOD. Je vous dis à la prochaine. Ciao.